Bonjour à tous! Comment allez-vous? Mon nom est Benoît Huot, athlète paralympique en natation et je serai votre hôte. Un peu qu'un hôte, ça ressemble un peu à un animateur. Je vais être là pour les 45 prochaines minutes et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue au clavardage d'Équipe Canada en direct de l'expérience olympique à Montréal. Alors, on est ici à Montréal. L'expérience olympique, là, c'est différent. Vous avez vu un peu dans la vidéo, hein, des expériences immersives. Mais c'est un peu, pour rendre ça simple, là, un grand musée du sport olympique canadien. Et ça a lieu ici à Montréal. Alors moi, présentement, je ne vous vois pas, mais j'aimerais avoir l'opportunité de vous entendre. Alors j'aimerais ça que vous nous disiez un bon bonjour bien fort. Oui! Super! Allô, allô! Dites-moi allô! Je vous vois bien! Super! Yes! Qui d'entre vous, en levant la main, aime le sport olympique et le sport paralympique? Yeah! Moi! Est-ce que vous, en levant la main, je ne veux pas lever la main? Yes! On aime ça, le sport olympique et paralympique, super! Excellent! On va passer 45 minutes ensemble pour parler de différents points de l'importance d'établir des objectifs, la persévérance, l'importance de recevoir des commentaires. Et savez-vous quoi? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des athlètes olympiques et paralympiques avec nous. Et pour profiter au maximum de notre journée, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Si les professeurs pour vous aider, parce que peut-être que vous n'avez pas accès à vos réseaux sociaux, mais ne soyez pas gênés de partager avec vos proches, avec vos amis, avec la famille, le hashtag, le numéro, là, soit un champion. Alors, soyez vraiment pas gênés. Nous, moi, je vais me faire plaisir quand que le clavardage va être terminé. Je vais partager sur les différents réseaux sociaux notre expérience qu'on a vécue aujourd'hui. Alors, pour revenir un peu à qu'est-ce que je disais un peu plus tôt, moi, j'ai fait de la paranatation. Et je suis maintenant à la retraite sportive. Alors, j'ai pratiqué mon sport pendant plus de 20 ans et j'ai le grand privilège de représenter notre pays, le Canada, à 5 Jeux paralympiques. Et ça a été, je peux vous dire, le plus grand honneur de ma vie. Alors, sans plus tarder, vous avez certainement envie de rencontrer les athlètes qui sont parmi nous aujourd'hui. Certains visages que vous allez reconnaître, vous avez certainement eu certaines leçons avec eux. Alors, on va débuter avec notre Olympienne en cycliste sur route, Joëlle, qui est avec nous. Allô, Joëlle! Salut! Est-ce que tu peux juste nous dire rapidement ton parcours comme athlète? C'est sûr qu'il y en a certains élèves qui ont eu la chance de te rencontrer déjà, mais peux-tu nous parler un peu de ce que tu as fait dans le sport jusqu'à présent? Je sais que tu es toujours à la retraite, et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui également? Oui, bon, moi j'ai fait du vélo sur route, donc le vélo que vous voyez autour de France. J'ai participé aux Jeux olympiques à Londres en 2012 et aujourd'hui je travaille avec les entreprises qui veulent démarrer. Avec tout ce qui est entreprise, dans le fond. Hey, super! Merci, Joël, de ta participation et certainement de ta disponibilité pour partager avec nos amis aujourd'hui. OK, on va passer maintenant à notre deuxième athlète qui est avec nous. Et il s'appelle Hervé et il a participé aux Jeux paralympiques au hockey luge. Salut, Hervé! Bonjour, champion! Comment ça va, Hervé? Dis-moi, toi, tu as une grande carrière paralympique. Peux-tu nous expliquer un peu ton parcours? Et je pense que même, as-tu participé aux Jeux paralympiques à Vancouver? Oui. Mais oui. Mes premières étaient en 1994 à Lillehammer. On a remporté une médaille de bronze. En 98 au Japon, à Nagano, on a remporté une médaille d'argent.
En 2002, à Salt Lake City, on a gagné une médaille de chocolat. C'est quatrième position, finalement. Ça, c'est bon, les médailles de chocolat. Hein? Je suis d'accord avec toi. C'est super bonne. Comme à part, on aime ça manger des médailles. Ça valait la peine. En 2006, on a finalement remporté une médaille d'or à Turin, qui est en Italie. Ça a été vraiment formidable. L'expérience a été fantastique, fantastique. C'est quelque chose que tu te souviens pour le restant de tes jours. Ça va être difficile de répéter ça parce que la première fois, c'est toujours la première fois. Hey, super, mais t'es bien gentil. Merci encore une fois, Hervé, d'être avec nous. On va entendre parler, hein, certainement. Ça, c'est juste une introduction brève. Et on va revenir avec nos athlètes avec différentes questions que nous, on a. Puis aussi, des questions que vous avez élaborées plus tard dans le clavardage. On a aussi une autre athlète paralympienne. Elle se prépare pour les Jeux de Tokyo qui vont avoir lieu cet été. Elle fait de la paranatation. Et j'ai eu la chance de connaître Camille Bérubé pendant plusieurs années, moi également, sur la même équipe. Alors, merci Camille d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va? Bonjour tout le monde. Oui, ça va super bien. Merci Ben. Donc, en effet, je connais Ben depuis très longtemps. On est familière avec le fond de piscine, disons. Moi, je suis deux fois paralympienne. J'ai compétitionné aux Jeux de Rio en 2016, Londres en 2012. Puis, je me prépare pour mes troisièmes Jeux, on espère. Donc, c'est vraiment, vraiment super d'être avec vous. J'ai hâte qu'on puisse partager, puis qu'on puisse discuter un peu de nos expériences en tant qu'athlète. Donc, on est bien entouré aujourd'hui, puis merci Ben d'être là aussi. Hey, mais merci Camille, on se reparle tantôt. Notre quatrième athlète, qui est le dernier, non le moindre, est un Olympien en taekwondo. Son nom, il s'appelle François Coulombe-Fortier, il vient de la région de Québec, et on est très chanceux de l'avoir parmi nous. Allô François! Salut Ben, ça va bien? Oui, yes! Peux-tu nous parler d'où tu viens, pourquoi tu as choisi le taekwondo et à quels Jeux olympiques tu as participé? Écoute, le taekwondo, moi j'ai eu la chance à 7 ans de voir une démonstration. Ça a donné que c'était le taekwondo, ça aurait pu être un autre sport, mais j'ai embarqué à fond là-dedans. Et ça m'a amené 20 ans plus tard à participer, donc à 27 ans, à mes Jeux olympiques de Londres 2012, réaliser mon rêve de tout jeune. Puis, tout donné dans le sport. Je suis encore actif, mais pas en tant qu'athlète, mais en tant que chargé de projet pour la Fédération du Québec. J'organise des tournois un peu partout au Canada aussi. Donc, je m'implique et je continue de voir la gang évoluer en taekwondo autour de moi. Hey, c'est génial. Hey, imaginez, les amis, 27 ans pour réaliser son rêve. C'est pas 27 jours, là. C'est même pas 27 mois. C'est 27 ans. Alors, ça prend presque une vie d'investissement pour réaliser un rêve. Alors, c'est énorme. Hey, olympique. Regardez bien ça. Observez bien, là. C'est capoté! Regardez ça! Il y a 56 télévisions juste ici qui montrent différentes vidéos qui vous apportent dans l'expérience olympique canadienne. C'est un peu comme quand je vous disais tantôt, le musée, là, c'est à ça que ça ressemble. Il y a 56 télévisions. C'est énorme! Avez-vous déjà vu ça? Regardez, nos athlètes sont juste ici avec nous. Allô, allô, allô! Alors, ils sont pas très loin de moi. On est tous ensemble dans une grande, belle famille, et on va maintenant passer avec la leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on a envie de parler avec vous ce que ça signifie d'être un champion ou une championne. C'est un grand mot, hein, ça veut dire, c'est quoi être un champion? Des fois, on pense que ça prend une médaille, ça prend un podium, mais non, mais un champion, là, il y a différentes sortes de champions. C'est dans le fond, d'être une, pour faire ça simple, d'être une bonne personne dans notre entourage, à l'école, d'être un bon modèle, d'être un leader par nos actions. On n'est pas obligé de remporter une médaille pour dire que « Ah, moi, je suis un champion ». On peut simplement avoir véhiculé des bonnes valeurs auprès des gens qui nous entourent, de nos amis, de notre famille, à l'école, dans nos communautés, pour être un champion. Alors, il y a différentes sortes de champions. Et là, j'avais envie de passer la parole à Joël pour lui demander comment toi, tu définis c'est quoi le mot « championne », Joël? Moi, comment je définis un mot « champion », c'est quelqu'un qui se donne des objectifs. C'est des objectifs, ça peut être au niveau scolaire, mais ça peut être au niveau du sport, quels que soient les objectifs. C'est quelqu'un qui se lève chaque matin et qui donne 100% de qu'est-ce qu'il y a. Pas 90% un jour, 50%, 110%, c'est tout le temps, on se lève, on se donne 100%.
Puis il va y avoir des moments là, que ça va être plus difficile, c'est certain. Là. C'est, tout le monde vit des moments difficiles, mais c'est dans ces moments-là difficiles qu'il ne faut pas abandonner. C'est ça, la champion. C'est quelqu'un que, parmi les hauts puis les bas, il va tout le temps se lever puis donner son 100%. Quand tu donnes ton 100%, là, c'est vraiment simple. Parce qu'à la fin, là, qu'arrive l'examen ou qu'arrive la course, tu sais qu'à l'intérieur de toi, tu as donné ton 100%. Fait que tu n'as aucun regret. Donc, pour moi, là, c'est vraiment ça, les pétitions de champion. C'est quelqu'un qui n'abandonne pas, qui donne son 100%. Puis c'est ça, pour moi, un champion. Ah, mais c'est bien dit. Merci, Joël. Les objectifs. Des fois, on se dit, oh, c'est quoi un objectif? T'sais, un objectif, là, ça peut être comme un rêve. Tu sais, t'as un grand rêve. Oh, peut-être que tu as envie d'avoir une telle profession, tu as envie de terminer ta sixième année, de réussir ton examen d'histoire, ou aller, par exemple, aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques. Mais des fois, on se dit, ah, mais comment on va faire? Un objectif, là, ça peut être à court, à moyen et à long terme. Alors, un cours, ça peut être, avoir un objectif à tous les jours, dire, ah, ben, moi, je vais m'assurer d'avoir fait mon devoir à la fin de la journée. Et c'est comme ça qu'on construit sa confiance pour réaliser nos objectifs et nos rêves. J'avais envie de passer la parole à Hervé, lui demander, ben, on va continuer dans la même lignée, dans les objectifs. Pourquoi tu penses que c'est important d'avoir des objectifs? Et comment toi, tu as fait dans ta carrière et où aujourd'hui pour te fixer des objectifs, Hervé? Ben moi, ça a été bien simple, mais j'ai toujours eu deux objectifs au début de la saison, c'est de faire l'équipe canadienne. Puis mon deuxième but était de représenter le Canada. J'ai toujours bâti mes journées en me levant sur ça, puis continuer à faire mes entraînements, de rester en santé, aucune blessure. C'était bien important sur ce côté-là. Puis être supportif de tes coéquipiers. Parce que c'est bien important. Si un de tes coéquipiers va avoir une mauvaise journée, il faut s'entraider. Parce que moi, j'ai toujours dit que 15 joueurs, un cœur. Ouais. Qui vient au résultat d'une médaille d'or. Si on n'accomplit pas ça, de rester, travailler ensemble et d'atteindre notre but, c'est ça le principal. Mais ouais. Je me dis toujours, en me levant le matin, je porte toujours ma prothèse. Je mets ma prothèse en me levant, puis ma journée débute. Ah, c'est bien dit. Hey, mais vous avez entendu ce que Hervé a dit. Comment on fait pour atteindre les objectifs? Moi, le mot qui m'a résonné, c'est la persévérance. Ça prend de la persévérance pour atteindre ces objectifs-là et y parvenir. Alors, bravo à Hervé. C'est ce qu'il a fait dans sa carrière de joueur d'hockey luge, mais il semble poursuivre dans toutes les différentes sphères de sa vie également. Avec l'atteinte de ses objectifs, il peut réaliser ses rêves. On va aller voir Camille. On va aller voir notre amie Camille. Camille, tu es un bel exemple de persévérance. Dis-moi, comment certaines stratégies que tu as utilisées dans ta vie t'ont aidé à passer au travers de différents obstacles peut-être que tu as eu sur ton chemin vers l'atteinte de tes objectifs? Absolument. Mais si c'est normal pour quelqu'un qui est un athlète de haut niveau d'avoir des petits défis, des gros défis même au courant de toute cette expérience-là. Puis je dirais que bon, j'ai différentes stratégies pour m'aider à passer au travers. Des fois, c'est des stratégies qui sont plus à court terme. Quand il y a quelque chose qui arrive une certaine journée, tu te sens pas bien ou peu importe. J'utilise beaucoup, moi je crois beaucoup à la méditation, donc je prends le temps de vraiment te focusser sur ma respiration, sur qu'est-ce que je peux contrôler à ce moment-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut pas contrôler. Tu sais, des fois, on va avoir étudié au max, on va s'être entraîné au max, puis là, on arrive à l'examen, puis pour une raison X, on sait pas, on se souvient pas de ce qu'on a étudié, qu'est-ce qu'on a appris. Donc, des fois, c'est juste prendre du recul, prendre le temps de prendre 3-4 respirations. Donc, ça, c'est vraiment pour m'aider à court terme. Puis des fois, ben à plus long terme, des fois, quand on est athlète, on se pose des questions sur, ben est-ce que je veux continuer à m'entraîner, est-ce que je veux continuer de mettre autant d'énergie dans ce que je fais, puis autant que c'est tellement un honneur de représenter le Canada, ça peut être extrêmement demandant et extrêmement difficile. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'avoir un balance entre mon sport puis d'autres activités en dehors de l'entraînement pour que je puisse, dans le fond, me développer en tant que personne, pas juste en tant qu'athlète, parce qu'on n'est pas juste des athlètes, hein, on est des êtres humains, on a d'autres objectifs en dehors du sport. Alors, vraiment de garder un balance, que ce soit avec l'école, que ce soit avec un travail, une vie sociale, à l'extérieur, avoir des amis qui sont pas des athlètes, ça peut sembler étrange, mais c'est quelque chose qui est tellement, tellement important.
puis de se trouver des passions en dehors. T'sais, moi, j'aime beaucoup la musique, j'aime ça faire de l'art, j'aime ça chanter. Donc, des journées où que je me sens un peu moins bien ou que tu as une mauvaise pratique, peu importe, ben des fois, de juste t'adonner à faire quelque chose d'autre, ça peut vraiment, vraiment aider pour le moral. Vraiment, je suis bien d'accord, Camille. Des excellents conseils pour nos amis qui participent au clavardage aujourd'hui. Moi, ce que je retiens de ce que Camille dit, c'est des fois, là, c'est dans l'adversité. Qu'est-ce que ça veut dire, l'adversité? Quand on a un échec, qu'on se pose les vraies questions. Et tu sais, c'est sûr qu'on veut toujours la victoire, hein, c'est ce qu'on souhaite, on travaille fort, on s'investit, on veut les moments hauts, mais quand on vit des moments de re-questionnement ou des moments où on a plus de difficultés, des fois, c'est là qu'en tant que personne, on réussit à grandir davantage. Alors, c'est pas le fun quand ça arrive. Par contre, c'est comme ça qu'on réussit à passer à un autre niveau et on continue à s'améliorer, peu importe ce qu'on fait. Alors, ne soyez pas découragés quand ces moments-là, des obstacles, disons, là, des défis arrivent, parce que vous allez voir que c'est comme ça qu'on va énormément grandir. Et j'ai aussi retenu ce que Camille a dit, l'équilibre, hein, l'importance d'avoir un équilibre dans la vie. Tu sais, c'est pas, faut pas juste étudier, faut pas juste s'entraîner dans notre sport, il faut avoir un bel équilibre pour réussir à peaufiner et à réaliser nos objectifs, parce que en ayant cet équilibre-là, ben on va être capable de relativer la chose. On va poursuivre avec François. Vous avez certainement eu dans votre vie jusqu'à présent des commentaires, hein? Certainement des commentaires. Dans le fond, les commentaires, c'est toujours positif. On veut que les gens, quand on reçoit des commentaires, on va être capable d'avoir une ouverture d'esprit et d'écouter. Hein? C'est important de bien écouter ce que nos professeurs, nos entraîneurs, nos amis nous partagent pour que ça soit constructif. François, j'avais envie d'apprendre, toi, comment les commentaires, pour ceux qui ont la difficulté à comprendre le mot « commentaire », c'est recevoir du feedback, recevoir de l'information en retour. Comment, toi, les commentaires tout au long de ta carrière ont eu un impact sur l'athlète que tu étais? Eh bien, d'abord, tu l'as mentionné, les commentaires, quand on est un athlète de haut niveau, on a affaire à beaucoup de monde autour de nous. Vous parliez d'équilibre juste avant, donc on a affaire, oui, au monde de notre sport, nos entraîneurs, nos coachs, les préparateurs physiques, mais aussi à la famille, aussi aux personnes avec qui on va étudier. Tout d'abord, les commentaires, le feedback, ben ça développe notre écoute. Ça nous prend le temps de se faire une tête sur ce que ton entraîneur, tes amis, ta famille vont te dire. Donc, juste développer ce moment-là, cette écoute-là, ben ça va te servir toute ta vie. Oui, ça va servir à moi dans mon sport, être beaucoup à l'écoute. Puis par la suite, ben ça te permet aussi de dire, est-ce que ça a de l'allure ce que je me fais dire? Donc, de développer une tête, une opinion par rapport à ça, prendre des choses bonnes, l'amener à ton entraînement ou l'amener dans tes choix, dans tes décisions, dans tes objectifs que tu te fixes. Puis aussi, des fois, il y a peut-être des choses qui ont moins d'allure. Donc, ton discernement, ton jugement. Dans mon cas, j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur qui m'a connu tout jeune et qui a participé avec moi à l'atteinte de mon rêve, qui était les Jeux olympiques. Donc, ce fameux feedback-là, ces commentaires-là reçus m'ont donné des valeurs incroyables. Donc, le partage entre deux personnes, on était chacun le spécialiste, hein, lui comme entraîneur, moi comme athlète, mais ce partage-là a fait en sorte que j'ai assimilé toutes ces valeurs qui étaient rattachées à la pratique de mon sport. Vraiment super. Merci. Merci François, c'est vraiment super. Génial. Alors, hey, on a envie de vous entendre. Est-ce que ça vous tente? Hein? Avez-vous envie de poser des questions à nos athlètes qui sont ici aujourd'hui? Oh, je crois qu'on a nos amis de Saint-Paul, la classe de Saint-Paul de Québec, qui ont deux questions. On va débuter par la première, OK? Si ça vous va, on va aller voir Joël. On va aller voir Joël si elle est prête à répondre à la question de l'école de Saint-Paul à Québec. On est là, on vous entend, on vous écoute. Ah, de bon émo! Alors, les amis, allez-y, posez la question à Joël. Allô? Merci, ma belle. Que devez-vous faire pour vous sentir 100% prêt pour une compétition? OK, je vais juste répéter. Je vais répéter la question. Dans le fond, la question, c'est
comment je me prépare pour me sentir à 100% pour la compétition? C'est bien ça la question? Oui. Oui, OK. savez-vous quoi? Ça peut être vraiment banal, là, mais c'est tellement important le sommeil. C'est vraiment important de se coucher de bonne heure. Peut-être une semaine avant la compétition, là, je m'assure de me coucher à 9h tous les jours. De non seulement me coucher à 9h, là, bien sûr, d'être bien hydraté. C'est tellement important. Savez-vous comment ça peut faire une différence? C'est juste des choses hyper simples. Quand j'arrive une semaine avant la compétition, là, j'ai plus rien à faire. L'entraînement a été fait. Donc, je me couche de bonne heure, je m'hydrate très bien. Chaque matin, chaque lunch, chaque dîner, je mange une belle petite portion de légumes, de protéines, puis un peu de riz. Je m'assure de bien manger, bien dormir, bien m'hydrater, puis je suis prête pour la compétition. Aussi simple que ça. Il n'y a pas de truc magique. Super! Super! Excellent! Merci, Joël! C'était bonne, hein, Joël? Elle vous a donné plein de trucs. Parce que moi j'ai beaucoup appris. J'espère que vous autres aussi à Saint-Paul. OK, on va aller maintenant. Je pense que vous avez une deuxième question, hein, nos amis à Saint-Paul. On va aller voir Hervé. Allez-y, parlez fort si vous êtes capable. Parlez fort et puis ça se peut qu'on répète la question si on a la discuter pour que les autres écoles nous entendent bien. Mais parlez fort et puis Hervé va répondre à la question. À vous. Rendu où vous êtes, il y a sûrement eu des hauts et des bas. Comment vous réussissez à persévérer et à atteindre votre but? Je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous pouvez la poser encore? Il y a sûrement eu des hauts et des bas. Comment avez-vous réussi à persévérer et à atteindre votre but? Oh, OK, fantastique. Je vais t'expliquer ça. Hein. Moi, j'ai été un late bloomer, comme on peut dire, en frais d'athlète. J'ai perdu ma jambe. J'ai perdu ma jambe à l'âge de 25 ans. Puis j'ai commencé à réaliser mon rêve de participer aux Paralympiques. Fait que ça m'a pris beaucoup. Mon entraînement personnel était vraiment intense. Il a fallu que je bâtisse mon haut du corps pour le développer, le rendre le plus fort possible. Puis réapprendre à jouer au hockey, effectivement, parce que je jouais au hockey debout. Puis partager ça, à tomber dans une luge, c'était complètement différent. C'était quand même assez facile, mais... C'est avec la détermination, en pratiquant, puis en lançant, puis en jouant, puis en toujours en retournant sur la glace, dans le gymnase, faire du vélo, me maintenir en bonne santé. C'était vraiment important côté musculaire parce qu'il y a beaucoup de blessures au niveau de hockey luge, en frappant les bandes, les choses comme ça. Fait que c'est bien important de rester en bonne santé, puis en rester en bonne santé physique. Mais pour atteindre mon but, j'ai toujours réalisé quelque chose dans ma tête que je me disais qu'il n'y a rien qui va m'arrêter. La seule chose qui va m'arrêter, ça va être moi-même. C'est de la façon que j'ai continué durant toute ma carrière. C'est pour ça que j'ai joué pendant 19 années pour représenter le Canada. Super! Bravo! Hey! Bravo, merci Hervé, c'est super. C'est une excellente question. Hey, merci d'applaudir, vous êtes super gentils. Moi aussi, je vous applaudis, c'était des excellentes questions. Merci à la classe de Saint-Paul à Québec. Merci de suivre, hein, certainement aujourd'hui, de clavardage, mais les différentes leçons au cours de l'année. On est très fiers que vous êtes parmi nos écoles cette année en 2020. Alors maintenant, on reste au Québec, on s'en va pas très loin. Mais allez pas trop loin, les autres classes un peu partout au pays, on va venir à vous un peu plus tard. On va rester au Québec, on va l'entendre la classe de Beachwood. Et je pense que vous avez préparé deux questions à Beachwood. On va débuter avec Camille, on va aller voir. Allô Beachwood! Allô les amis! Hey, vous êtes tous beaux! Yes! Content de vous voir. Alors on va aller voir Camille. Je pense que vous avez une... Allez-y, le micro est à vous. On parle fort si vous êtes capable, OK? On vous entend. Quels sont tes objectifs pour les prochains Jeux olympiques? Super. Alors, quels sont mes... Oui, la question était, quels sont mes objectifs pour les prochains Jeux paralympiques? Alors, comme j'ai mentionné plus tôt, moi, ça serait mes troisièmes Jeux paralympiques. Et à mes premiers Jeux, j'ai fait une 11e position. À mes deuxièmes Jeux, une 9e position. Puis en paranatation, c'est les 8 premiers qui font la finale. Donc, faire une finale aux Jeux paralympiques, c'est mon objectif pour Tokyo.
plusieurs finales peut-être, c'est très possible. Puis une fois qu'on rentre dans la finale, ben c'est le top 8, puis on ne sait jamais ce qui peut arriver par la suite. Donc, qui sait, une médaille est peut-être dans la mire aussi. Hey, génial! Super! Merci, Camille! Merci! Le micro est revenu. Vous m'entendez bien? Oui, je pense que oui. Désolé, des fois, je suis un peu au ralenti parce que je vais laisser être sûr que le micro, vous m'entendez bien. Merci, Camille. Hey, est-ce qu'on dit un grand bonne chance à Camille tous ensemble? Bonne, bonne chance, Camille! Bravo! Yeah, ça va être fun. OK, je pense que vous avez une autre question. Ouais, je vous vois applaudir. Bravo, excellent. OK, super. Vous êtes prête avec votre micro. Vous pouvez préparer la question. Ça se peut qu'on ne vous entende pas bien, mais je pense qu'on a une idée à quoi va ressembler peut-être votre question. Mais allez-y, posez votre question et ça va être à François. On s'en va voir François en taekwondo qui va répondre à la question pour vous. Combien d'heures t'entraînes-tu par jour? Excellent. Super question. Donc, nombre d'heures d'entraînement. Wow, par semaine, pour les athlètes de haut niveau, quand on veut aspirer aux hautes sphères de notre sport, bien, on doit s'entraîner comme tous les autres pays, puis souvent, ils ont des centres d'entraînement, puis c'est beaucoup, beaucoup d'heures. Pour moi, c'était 25 à 30 heures d'entraînement par semaine. Donc, on parle de 2 entraînements par jour, 6 jours par semaine. Il y avait des entraînements, évidemment, de taekwondo, dans lesquels on fait des coups de pied, on fait des combats. Il y avait des entraînements un peu plus de musculation, préparation générale, préparation physique, flexibilité. Je me souviens d'avoir eu des entraînements de yoga, donc des longs entraînements à s'étirer pour être capable d'être bien flexible aussi. Puis, la motivation, bien, c'est simple. Le rêve, quand on a un rêve, c'est tellement facile de se lever le matin pour aller s'entraîner. Tu as un objectif à court ou moyen terme, mais tu as en plus un rêve, quelque chose de grand que tu veux réaliser. Donc, c'est beaucoup plus facile de te lever, d'aller t'entraîner, de te motiver, malgré que des fois, c'est pas toujours évident, mais tu reviens toujours le lendemain motivé parce que tu as quelque chose qui t'accroche. Donc, beaucoup, beaucoup d'heures pour être capable de mettre des efforts. Hey, bravo! Merci François, c'est génial! Hey, c'est bien, bien apprécié de ta participation. Merci à l'école et la classe de Beachwood pour vos questions. On vous dit à plus tard. On va revenir. Merci, bravo. Merci pour votre implication. On a une question qui est venue du tableau de bord du clavardage d'Équipe Canada. Et la question vient de l'école Father Brissonnier Catholic Woodbridge en Ontario. On va aller voir Joël. Et Joël, la question que j'ai pour toi, c'est quels sont les plus grands défis que tu as relevés pour devenir un athlète de l'élite mondiale? C'est quoi que tu as eu à relever pour devenir l'une des meilleures au monde dans ton sport? Bien, je dois vous avouer que pour moi, c'était très difficile de ne pas manger de chocolat, de vraiment bien manger, de skipper, de ne pas manger de dessert. C'était difficile pour moi. Je suis une bébite à sucre, donc j'aime vraiment ça, manger du dessert. Puis j'ai dû complètement changer mon alimentation pour que ça soit vraiment orienté vers, dans le fond, la performance, pour que j'aille tous les bons nutriments pour bien performer l'entraînement. Donc, j'ai dû vraiment travailler extrêmement fort sur la nutrition. Puis pour moi, c'était un gros challenge. C'était difficile au début, mais ça m'a permis vraiment de bien performer. Donc, c'est sûr que pour arriver à l'élite mondiale, on doit faire des sacrifices. Moi, c'était l'alimentation, mais ça vaut vraiment tous les efforts. Hey, merci. Merci, Joël. Moi aussi, c'était difficile, le chocolat. Vraiment, je ne sais pas pour vous là à l'école, mais j'étais une bébite à sucre. J'aimais ça, le chocolat. Et disons que quand on arrivait à Pâques, là, puis là, c'était le temps de faire la chasse au coco, c'était comme difficile parce que j'avais vraiment envie d'en manger. Mais là, des fois, on avait des compétitions la semaine suivante. Puis, c'est pas que c'est mauvais pour nous nécessairement, mais c'est parce qu'on essaie de vraiment tout mettre les chances de notre côté. Puis des fois, le chocolat, ben ça nous donne beaucoup d'énergie rapidement, mais à long terme, c'est pas l'idéal pour l'entraînement. Alors, j'étais comme Joël, j'essayais de minimiser la quantité de chocolat que je prenais quand j'étais athlète, mais maintenant que je suis plus ou moins athlète, juste pour le plaisir, disons, ben là, je peux en profiter, puis Pâques s'en vient, hein. Ça va être la fun, on va manger plein de chocolat! OK, j'avais envie de... Hey, on s'en va en Colombie-Britannique, tout le monde!
On va aller voir l'école de Rochester. Je pense qu'ils ont préparé, ils ont préparé deux questions pour nous. On va aller voir si l'école est prête. Je vous vois pas. OK. Ah, vous êtes là. Salut! Ça va bien? Il fait beau en Colombie-Britannique? Dites, faites signe de oui ou non. Yeah, il fait beau? Yes, ah, thumbs up! Ah, yeah. C'est à peu près 0 degré, mais il annonce beaucoup de neige en fin de journée aujourd'hui, alors on est encore en hiver. Alors, je vais vous aider, je vais répondre moi à la question cette fois-ci, si ça vous convient. Alors, on est avec l'école, la classe de 3, allez-y, ben, je vous écoute, allez-y avec votre question, puis je vais répondre du mieux que je peux. Avez-vous appris à prendre votre propre façon à nager? Est-ce que vous l'avez développé? Attends, j'ai la difficulté à prendre la meilleure façon à nager. C'est ça? Voilà, thumbs up. OK, parfait. Excusez-moi, hein, j'avais de la difficulté à vous entendre. C'est la technologie des fois, hein, ça fait ça. Alors, comment que j'ai appris à nager? Comment que j'ai été capable de me développer? Ben, c'est drôle parce que la natation est arrivée dans ma vie à un moment où c'était pas mon premier choix. J'avais souhaité devenir un joueur de hockey. Je voulais jouer au hockey comme la plupart des petits garçons, les petites filles canadiennes. Hein, c'est un sport qui est très populaire. Puis la natation, c'était pas très populaire. Et la natation est arrivée dans ma vie un peu par hasard en 1992. Ça fait très longtemps. Et j'ai vu un grand Canadien, Mark Tewksbury. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce nom-là. Mark Tewksbury avait remporté une médaille d'or olympique en natation pour le Canada. Et ça m'avait vraiment inspiré. Et c'est comme ça que j'ai décidé à débuter la natation par la suite. Et puis, ben, le sport m'a apporté plein de choses. Hein. J'ai énormément appris par le sport, par la natation. Ça m'a aidé à me développer en tant que personne pour différents trucs. Hein. La détermination, la motivation, le désir de me dépasser. Et comme on parlait un peu plus tôt également, ben, de me fixer des objectifs à court, moyen et long terme. Et je peux vous dire, quand j'avais votre âge, là, j'avais le rêve, le désir d'aller aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques. Mais c'était un grand rêve. Alors, il fallait vraiment que je décortique mon rêve en petits objectifs au quotidien pour y parvenir. Alors, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais j'ai réussi du mieux que je le pouvais à m'entourer de personnes pour m'aider à m'épanouir et à le réaliser. Avez-vous une deuxième question? On est prête? Ah oui, vous êtes prête pour la deuxième question? OK, allez-y, je pense que c'est la question que peut-être que j'avais tantôt. Allez-y, je vous écoute. Quelle est votre motivation pour entraîner? Alors, la question, c'est quelle est la motivation pour m'entraîner? C'est ça? Thumbs up? Yes. OK. Je pense que j'étais un petit garçon tellement motivé avec peut-être que vous allez comprendre ce mot-là, un self-driven. Là. J'étais vraiment hyper motivé et c'était intrinsèque. C'est moi qui voulais réaliser mes objectifs et mes rêves. Alors, ça s'est fait relativement facilement. Pour me lever le matin, des fois, il faisait des 5 heures du matin, il faisait moins 30 dehors. Puis je devais plonger dans la piscine. C'était pas toujours super facile de se motiver, mais j'avais un désir intérieur de me dépasser. C'était important pour moi de vraiment tout faire à tous les jours pour m'aider à la réalisation de mes objectifs. Alors, je travaillais fort et ça s'est fait relativement facilement au moment où j'ai trouvé ma passion, qui était la natation. Alors, c'est sûr que si j'avais fait quelque chose que j'étais un petit peu moins... moins interpellé, qui m'intéressait moins, peut-être que ça aurait été plus difficile de me motiver. Mais vu que la natation était ma passion, c'était facile à tous les jours de me présenter à la piscine et avoir cette motivation-là pour arriver à mes objectifs, à l'atteinte de mes objectifs. Ça vous va? Hey! Je vous remercie, l'école de Rochester. On va revenir certainement plus tard. Alors, encore une fois, je vous remercie d'avoir partagé ces bonnes questions-là avec tous nos athlètes olympiques et paralympiques. On va retourner au tableau de bord. Je pense qu'on a d'autres questions. Cette fois-ci, la question vient de l'école Marion Carson de Calgary en Alberta.
Et la question, ben, je vais la poser à... Oh, allons voir Joël pour le fun. On va aller voir Joël. Et la question pour Joël, c'est on a appris qu'est-ce que ça signifiait un bon citoyen. Hein? Qu'est-ce que c'est, dans les différentes leçons, vous l'avez appris. On veut savoir maintenant, c'est quoi, comment un athlète olympique ou paralympique peut inspirer les communautés à devenir un champion eux aussi. À toi, Joël. Super bonne question. Écoutez, comment on peut inspirer à devenir un bon citoyen? Je pense que la plus grosse chose à retenir ici, c'est le respect des coéquipiers. Oui, on est en compétition, mais quand la compétition est terminée, il faut prendre le temps de féliciter, de ne pas être agressif, de vraiment prendre le temps de voir qu'on fait tout ça pour le plaisir et à vraiment le respect des coéquipiers, des entraîneurs, de ne pas être impoli, de ne pas utiliser des mots vulgaires, qu'on est là pour le plaisir. Donc, moi, c'est comme ça, je le vois. Je pense que c'est vraiment important de rester aussi poli envers les arbitres. S'il y a une décision qui est prise, par exemple, au hockey, vous n'êtes pas nécessairement content par rapport à cette décision-là, de tout le temps rester poli. Donc, c'est ça que je pense qu'on doit retenir. Rester poli avec les coéquipiers, les entraîneurs et les arbitres. C'est bien dit. C'est vraiment, vraiment bien dit, hein, Joël. Regarde, l'importance du respect dans le sport, le sportsmanship, l'esprit sportif. Je pense que, tu sais, au bout de la ligne, là, les athlètes, là, ils espèrent tous monter sur le podium. Mais quand les les épreuves, les compétitions sont terminées, il faut quand même avoir ce respect mutuel parce qu'on a tous travaillé fort à la réalisation de ces performances-là. Alors, je pense que c'est quelque chose qu'on peut apprendre énormément dans le sport, mais aussi qu'on peut partager dans notre quotidien, hein, à s'assurer d'être un champion dans la communauté. Ça représente plein de sphères. On n'est pas obligé d'être sur le podium pour, encore une fois, être un champion. OK, on va aller, on reste sur le tableau de bord. On a une belle question qui vient de l'école de Bear Creek à Surrey, en Colombie-Britannique. On va retourner en Colombie-Britannique. Et la question, ben, on va la poser à Hervé. On va aller voir notre ami Hervé qui a participé aux Jeux paralympiques en hockey luge. Et bon, Hervé, comment tu t'es senti lorsque tu as été choisi pour représenter le Canada, notre pays, à tes premiers Jeux paralympiques? Ça a été vraiment un rêve pour moi parce que j'aurais jamais pensé que j'aurais pu représenter mon pays dans mon propre pays. Ça a été vraiment formidable d'avoir l'occasion de porter le gros symbole sur notre chest qui représente la feuille d'érable qui est tout en rouge. Non seulement je compète pour moi-même, mais je compétitionne aussi pour le Canada au complet parce que j'avais votre support. La raison pourquoi on l'avait, à toutes les fois qu'on retournait dans notre chambre pour se changer, on avait toujours des courriels sur le mur qui avaient été rajoutés et rajoutés. Ça rentrait par milliers. On n'avait pas la chance de toutes les lire, mais ça a été vraiment spectaculaire. Fait que pour moi, avoir eu la chance de participer aux Jeux paralympiques à Vancouver, ça a été vraiment formidable. Et la 10e anniversaire, elle a eu lieu en fin de semaine dernière, que j'ai eu la chance de participer aussi. Fait que des visages qu'on avait vus il y a 10 ans, que j'ai vus la semaine dernière, ça a été vraiment fantastique. Fait que, en gros, si vous avez la chance de représenter votre pays, soyez poli et représentez le pays de la façon que vous pouvez le faire le mieux, c'est en respectant les autres. Hey, merci, Hervé. Merci. Merci beaucoup, Hervé. C'est très gentil. Moi, j'avais envie de poser, on a à peu près là, un autre 7 minutes avec vous, OK? J'avais envie de demander à Camille, à François, qu'est-ce que le sport a représenté pour eux ou représente encore pour eux dans leur vie? Est-ce que, sans nécessairement aller trop en détail, on les voit, nos deux amis, allô François, allô Camille, on peut échanger ensemble là, pour les 5 prochaines minutes sur ce que le sport représente dans vos vies et quel impact ça l'a eu dans votre cheminement en tant que personne. Vas-y. Super. Donc, très bonne question, Ben. Qu'est-ce que le sport a joué comme rôle et joue encore comme rôle dans la réalisation de soi? Dans mon cas, je viens d'une famille de sportifs. Ma famille sont encore tous des skieurs de fond. Moi, je suis un peu le mouton noir de la famille dans la natation.
Mais le sport est vraiment quelque chose qui nous définit en tant que famille, dans le sens où, oui, tu sais, bon, dans mon cas, c'est un sport intérieur, mais tu sais, on passe du temps dehors, on se garde en santé, etc. Mais le sport de haut niveau m'a vraiment permis de développer des atouts que je peux utiliser au quotidien en dehors du sport. Donc, tu sais, je parlais de l'équilibre plutôt, l'importance d'avoir un bon balance dans les différentes sphères. Le sport m'a aidé à développer une certaine beaucoup de valeurs que j'utilise dans le sport, que j'ai utilisé dans ma carrière sportive, dans ma carrière académique, dans ma carrière au travail et tout ça. Donc, je pense que le sport a cette capacité-là de nous rendre des meilleures personnes, de nous unir en tant que personne, en tant qu'athlète, en tant que représentant de notre pays. Puis, c'est vraiment, le sport va bâtir des personnes avant de bâtir des athlètes. Moi, c'est vraiment quelque chose que je crois fortement. Puis, j'essaie de penser à des atouts que j'utilise, là, l'organisation, la détermination, l'engagement. C'est toutes des choses auxquelles je crois vraiment au quotidien dans mon sport, que j'ai toujours appliqué. Quand je partais, je sais pas, il y en a peut-être d'entre vous dans les écoles qui font du sport, qui ont des compétitions les fins de semaine, qui manquent des vendredis ou des lundis d'école, tout ça. Moi, quand j'étais à l'université, je manquais beaucoup d'école, mais il fallait que je sois organisée. Puis j'avais des professeurs qui m'aidaient pour, si je manquais des examens ou quoi que ce soit. Donc, c'était d'avoir une espèce de structure rigoureuse pour apprendre à gérer mon sport, mon école, ma vie sociale, etc. Donc, c'est ce que le sport m'a permis de faire, c'est de développer des atouts là, dans différentes sphères, puis de m'unir avec d'autres Canadiens et Canadiennes qui font la même chose. Super! Excellent, excellent. Merci Camille, c'est super. François, rapidement, as-tu quelques mots à ajouter, une dernière intervention avant de conclure cette belle discussion avec nos amis un peu partout au pays? Eh bien, je dirais que Camille a vraiment dit là, des valeurs, les valeurs olympiques, hein, les valeurs de la pratique du sport de haut niveau sont là. On parlait d'excellence, de leadership, d'amitié, tout ce que le sport de haut niveau apporte, ben c'est des attitudes qui vont nous servir dans la vie, dans notre famille, dans notre vie professionnelle par la suite. J'ai eu la chance à travers mon sport que dès mon jeune âge, ces valeurs-là soient écrites sous forme de credo, le fameux credo du taekwondo, qu'on devait s'engager tout petit à être courtois, intègre, à persévérer, à se contrôler, mais aussi à affronter des défis, donc à être courageux. Donc, en ayant eu dès mon jeune âge ces valeurs-là, mais ça allait de soi que j'allais pouvoir me développer à mon plein potentiel comme athlète de haut niveau. Puis, notre fameux emblème, nous, dans les arts martiaux, on a une ceinture noire. Cette ceinture noire-là représente, oui, l'atteinte d'un gros objectif, mais aussi l'atteinte d'un savoir-faire, mais d'un savoir-être, parce qu'on devait donner, on devait être de bonnes personnes aussi avant. Génial! Super, merci, c'est super François. Les amis, c'est malheureusement déjà près de la fin. J'aimerais du fond de mon cœur vous remercier pour votre participation, votre présence, continuer à écouter les différentes leçons de vos mentors, vos athlètes olympiques et paralympiques lors des prochains mois. Ça a été un grand plaisir pour nous de partager. Sachez que vous êtes tous des champions et des championnes. Moi, aujourd'hui, j'aimerais que vous reteniez quelques points. Le point de l'importance d'avoir des objectifs à court, moyen et long terme. L'importance de persévérer, peu importe ce qu'on fait, ne pas se décourager, poursuivre l'atteinte de ses objectifs. L'importance également, François vous en a parlé, de recevoir des commentaires, que ce soit constructifs, hein, bien sûr, mais de vos entraîneurs, de vos professeurs. Poursuivre également l'atteinte de vos rêves. Continuer à y croire, poursuivre, c'est important. Et nous, on était très privilégiés.
on a réalisé ces rêves-là par le sport. Alors, je vous encourage également de continuer à être des champions, mais encouragez vos amis à la maison, à l'école, à également devenir des champions eux aussi. Alors, j'aimerais tous ensemble, les quatre athlètes qui m'accompagnent, vous dire un grand merci et au revoir. On vous souhaite une excellente année scolaire et ce n'est qu'un au revoir. On vous dit à la prochaine. Bye bye tout le monde. À bientôt. Cool. 11:15.